Yes, c'est Chloé, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait archi longtemps, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Claudia. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un crash test. Je vais tester les rouges à lèvres, que ce soit liquide ou mat, de chez Shiglam. Pour ceux qui ne connaissent pas Shiglam, c'est la marque de Chine, version maquillage. Donc voilà, j'ai déjà eu quelques vidéos où j'ai fait des petites revues. Si vous voulez voir, je vous mettrai le i ou en barre d'infos. Mais là, aujourd'hui, j'ai donc décidé, vu que je ne l'ai jamais fait, de tester leur rouge à lèvres. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de rouge à lèvres, donc je me suis dit pourquoi pas prendre 3 teintes liquides et 3 teintes mates pour vous montrer, et comme ça vous allez voir si ça vous va ou pas. Si vous aimez ma vibes et tout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Ça ne coûte rien du tout. Et de toute façon, vous allez me retrouver dans tous mes réseaux qui seront en barre d'infos. Parler de la livraison et du prix avant d'essayer, vu que là vous avez vu que j'ai enlevé tout ce qui est gloss et tout. Bon, alors il faut savoir que la livraison, vu que j'avais un grand colis, donc la livraison était en deux parties. Il y avait une partie de mon colis, vu que c'était avec des vêtements, donc c'était en 4 jours que j'ai reçu. Ouais, 4 jours. Et l'autre partie en une semaine. Donc en vrai, c'est raisonnable. Et je pense que si vous prenez que des gloss, des trucs comme ça en 4 jours, c'est bon. Ensuite, pour parler des prix, alors le modèle comme ça, de toute façon vous verrez par la suite, je vous mettrai des photos. Alors ces modèles là, j'en ai eu pour, enfin de base c'est à 5 euros, 4,99 euros, mais moi je l'ai eu à 3 euros et quelques, parce que c'était en période de Black Friday. Et ce modèle là, il est normalement à 4 euros, c'est à dire 3,99 euros, mais moi je l'ai eu à 2 euros et quelques, parce que c'était le Black Friday et j'avais aussi des codes. Alors que les modèles comme ça, de toute façon je vais vous montrer, celui-là c'est Crimson, la couleur elle est comme ça, elle a l'air archi belle. En plus moi j'ai les lèvres en bas rosé là, marron, je pense que ça irait de ouf. Cet autre modèle qui se nomme, ça se nomme comment? Et le nom là est où? Ok, Vineyard, ok. Bon, c'est un peu violet façon. Oh, elle est belle, hein. Cette couleur qui se nomme Misty Rose. Je trouve que c'est pas rose de ouf, hein. Mais on dirait un peu du orange, je sais pas. J'ai pris cette couleur qui se nomme Deep Under. Je l'aime trop, elle est trop belle. Regardez, de façon... Enfin, je sais pas. Je vais essayer, on va voir. Ensuite, il y a celui-là, ce modèle-là. Qui se nomme... Attendez, il se nomme comment celui-là? À la mode. Bah, il est vraiment à la mode, quoi. Parce que vraiment, il est beau, il est marron, il est... chocolat. En plus, ça sent bon. Moi, je trouve que celui-là, il sent bon. L'autre, attendez, j'ai pas senti. Ouais, l'autre, ça sent le colorant. Ça sent grave le colorant. Et j'ai pas celui-là qui se nomme... Il se nomme comment celui-là? Bon. Vu que j'ai déchiré en ouvrant le paquet, on voit pas bien. Oh non. Bref, c'est pas grave. Vous aurez le nom. C'est un rouge assez... Hein, c'est vraiment pour les dates, quoi. Je sors pour les soirées. Vraiment trop beau. J'aime beaucoup.
veux me lire parce que là. Là, c'est moche. C'est très moche. Très, très moche. Regardez. Voilà les gars, j'ai fini complètement mon crash test, donc vous l'avez vu, je vais vous parler de chaque produit et comme ça vous allez voir qu'est-ce que vous pourrez prendre pour votre incarnation, etc. Ok, donc déjà on va commencer par le début. Donc vous avez vu les trois produits, en gros pour ceux qui n'ont pas trop compris, je vais encore vous expliquer, c'est des rouges à lèvres façon, attendez je vous lis ça, c'est des rouges à lèvres liquides, mat, ok. Et franchement, je pensais pas que ça allait tenir comme ça. Parce que déjà, j'ai commencé avec celui-là, la couleur assez rouge façon. Et je vais vous mettre tout, hein, tout en barre d'infos, les liens, les noms, comme ça, ça va être plus simple. Comme ça, vous n'allez pas trop... hein, si je mélange des prénoms, vous n'allez pas dire « Ah, elle a mélangé les prénoms !» Ok. Donc, par exemple, pour cette première teinte que j'ai utilisée, il faut savoir que je pensais pas que ça allait prendre assez du temps pour enlever de mes lèvres et tout. J'ai dû frotter, j'ai pris du démaquillant. Eh, c'était une dinguerie. Vraiment, je pensais pas. Mais il faut savoir que les trois, c'est des liquides de rouge à lèvres mat. Donc, de couleurs très différentes. Moi, le rouge, franchement, c'était une pépite sur mes lèvres, franchement. Et si j'ai une soirée et tout, hein, ça va tenir. Bon, après, il y avait un petit peu de traces. J'ai testé, j'ai fait le petit bisou. Il y avait un peu de traces, mais c'est faisable. Et c'est... Enfin, je sais pas, j'aime bien. Ça me fait penser un peu aux lips de Kylie. Genre ceux qui sèchent assez rapidement et tout. Et bah, les trois, ils ont séché assez rapidement. Est-ce que je vais vous les recommander? Franchement, oui. Oui, parce que enfin, c'est moins cher. Et vous pourrez tester si vous aimez pas. Alors, ceux qui ont ma teinte, il faut savoir que le rouge et le violet, c'est parfait. Mais celui du milieu, là, aïe! Bizarre, hein. On va passer au deuxième groupe, comme on dit. Déjà, franchement, le packaging de Shein, franchement, faut les applaudir parce que c'est un truc de ouf. C'est super beau. Enfin, c'est assez simple et tout, mais moi, j'aime beaucoup et ça fait un peu riche. Vous avez capté ou pas? Celui-là, il est à 3,99€. Et il faut savoir que... enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Et moi, je l'ai eu moins cher. Donc, bon, en vrai, il y a les soldes, il y a des promotions. Profitez. Alors, moi, je trouve que, bah, en vrai, c'est un peu pareil que le crash test des liquides, là, dans le sens où le rouge à lèvres rouge, celui-là, franchement, une pépite. Je l'ai un peu... Franchement, celui-là, une pépite, ça me va. Franchement, bon. J'étais pas étonnée parce que c'est un rouge à lèvres rouge, quoi. Ensuite, celui-là, le marron aussi. En plus, moi, j'ai pas trop de rouge à lèvres, donc je me suis dit, c'est parfait. En plus, c'est un test pour voir si je vais investir dans les marques chères, là, en rouge à lèvres. Parce que, hein. Donc, franchement, j'aime beaucoup le marron. Dernier, là, c'est un mélange de gris-marron, façon. Ouais. Si vous voulez vraiment, pour de vrai, hein, si vous voulez que je teste des glows, des rouges à lèvres et tout, pour voir si vous avez à peu près la même carnation de peau que moi, ou même plus foncé, vous voulez déjà voir sur moi qu'est-ce que ça fait. Moi, ça me dérange archi pas. Carrément, c'était un plaisir de tester. Donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. C'était Bec.